Dites moi comment, mais comment l'Union européenne peut elle être encore crédible dans ses discours sur les droits humains si ses propres États membres continuent à exporter des armes vers des zones de guerre et utilisées contre les populations, parfois sous des prétextes sécuritaires, souvent en réalité dans un but économique? Comment pouvons nous accepter que dans mon pays et ailleurs, une ministre de la Défense puisse se cacher derrière le manque de transparence pour nier que des armes françaises participent à la perpétuation de crimes de guerre, notamment au Yémen? La situation actuelle est inacceptable. Nous attendons de la commission von der Leyen et de la présidence allemande une véritable stratégie pour faire en sorte que cela cesse. Je rappelle quand même que dans le top 10 mondial des pays exportateurs d'armes, 7 sont européens. Une raison supplémentaire d'exiger qu'aucune arme européenne ne puisse être utilisée contre les populations civiles nulle part dans le monde. La transparence la plus totale doit être instaurée. L'Union européenne ne doit plus fermer les yeux sur ces scandales. Pour finir, soyons cohérents de nos paroles à nos actes. Je vous remercie.